et la culture catégorielle, il s'agit bien de parler de la culture de celle qu'on ne qualifie pas parce qu'elle est tellement ample qu'elle est simplement notre part d'humanité. Donc on ne peut pas renoncer à cela, et dans un pays comme la France qui se revendique liberté, égalité, fraternité, et je rajoute sororité, parce que notre République quand même révolutionnaire a oublié les femmes, il faudrait peut-être le rétablir un jour ou l'autre. Peut-être que la plus belle réforme qu'on devrait faire, c'est changer notre devise républicaine pour en faire vraiment une devise qui appartient à toutes et à tous. C'est la première des choses, et celle-là ne coûterait pas grand-chose. Mais on ne peut pas entendre constamment qu'effectivement la culture, c'est ce qui nous relie au sens anthropologique, et puis subir, comme l'OPC l'a fait dans sa dernière note de conjoncture. À l'Observatoire des politiques culturelles. Oui, excuse-moi, cet acronyme, Observatoire des politiques culturelles, des baisses, qui aujourd'hui se confirment et vont se confirmer, c'est-à-dire avec un bouleversement. Parce que les choses vont trop vite, parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter, on le sait.